Coucou la YouTube compagnie, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 24 août. Il est 10. Alors, clairement, hier nous devions aller pour les dents de Charlie Kiki à Annecy. Tiens, je fais les verres. Bref, c'est de ma faute, hein, complet là. Je sais pas. Il n'y a pas un matin où j'arrive à me lever après 8h. Et hier, on devait être donc à 10h à Annecy, où donc il fallait se lever tôt. Il fallait que je récupère Maxi entre 8h moins le quart et 8h. Comment vous dire, mes yeux ont dû s'ouvrir et ont dû éteindre les gentils petits réveils que j'avais mis. Et pour se réouvrir, donc à 8h05, comment vous dire, c'est mort. Hein, en plus, la route pour aller à Annecy, nous, c'est très. C'est une route qui est maxi empruntée, qui est maxi chiante en fait, où il y a blindé de monde, que ça soit l'autoroute, la NAS, que vous voulez. C'est. GPS annonce 1h23 ou un truc comme ça. Mais rien que pour traverser la zone Epagny, là. Enfin, c'est une zone industrielle qui est avant Annecy, quoi. Enfin, voilà. Une zone pas industrielle de magasin. Enfin, bref, voilà. Rien que des fois, là, c'est ou pas. Alors que, bon, on est censé pouvoir rouler un peu, quand même. Et puis, depuis 2021 qu'on va là-bas, en fait, c'est une putain de route. Il y a des travaux. En fait, il n'y a pas une fois on y allait où il n'y avait pas de travaux, quoi. Été, automne, printemps, hiver... Voilà, donc j'ai appelé, je leur ai expliqué, je me suis excusée, bref, voilà, elles ont bien compris, elles sont sympas quand même, elles savent qu'on vient aussi de loin, donc, et qu'on est normalement très assidus pour les dents de Kiki, donc, voilà, donc du coup, on y retournera, mais au mois de septembre, voilà, donc du coup, hier, donc ça, et puis, du coup, en fin de journée, enfin, un peu avant 16h, du coup, je suis un message, ouais, ça dit d'aller au lac pour faire plaisir à Kiki, machin. Du coup, ouais, je dis, bah écoute, ça vous dit pas, on teste le canoë tant qu'on est les trois, comme ça, voilà. Du coup, on a pris le canoë, on l'a monté, on l'a testé, bref. Ça, bah c'est nickel, hein, c'est nickel, bref. Voilà, après, moi j'étais morte, hein, parce qu'en fait, le canoë, je lui dis, bah Kiki monte dedans normal, quoi. Et puis moi, j'ai dit, faut que je nage un peu, faut que j'aille loin en nageant, faut que. Mais comme je fais, en gros, à chaque fois que je vais me baigner, que ce soit chez mon père au lac, je me pète des crampes dans les pieds. Quand vous êtes au milieu du lac, j'ai envie de vous dire que ça pue la merde. Donc là, je me suis dit, bon, je nage en fait quand j'y vais, mais je nage pas comme d'habitude parce que j'ai tellement peur d'en péter une noyée au milieu du lac à cause de ça que voilà. Du coup, je dis, bah vas-y, toi tu montes avec lui dedans, et moi en fait, on va attacher le croco au canoë, et puis en fait, tout simplement, bah toi tu rames, puis moi je vais faire travailler mes jambes et mes bras et machin, patacoufa, voilà. Donc, je suis rentrée canée, hein, complètement canée. Puis à côté de ça, j'ai pas réussi à très bien dormir. On a passé une bonne journée en soi, on s'est pas du tout, enfin, on s'est pas disputé, qui était content, on a joué, bref. Ouais, t'es content. C'est très bien. Voilà. Et puis, ils m'ont proposé de manger, on a mangé, et puis voilà. Mais, j'espère juste, au fond de moi, parce que c'est Charlie un peu qui entraîne tout ça aussi, hein, que ça donne pas des espoirs à mon fils, quoi. Des trucs, je sais pas. Je sais pas, c'est... Et là, en fait, je pense qu'il devait être le papa énervé ce matin. Pourquoi? Je me doute un petit peu. Bref. Mais il a pas dû cacher cet énervement à Charlie, puisque je devais peut-être le voir un petit peu là en début d'après-midi. Et normalement, après, va chez sa mamie, chez la mère à son papa. Et... dormir, machin... Et voilà. Et là, quand j'ai appelé, et c'est lui qui a appelé pour une fois. Et du coup, non, bah, du coup, c'est pas la peine, on s'est vu hier, quoi. On se verra la semaine prochaine. Donc là, en fait, je vois pas. Je le vois pas. Enfin, donc, je l'ai vu lundi, quand on est allé
pour le cadeau à mon papa à la luge d'été, et puis donc un peu hier, voilà. Puis maintenant, ferme ta gueule, en gros, et voilà. Bref, donc comme il cache pas en fait son agacement et nos histoires entre nous à son fils, eh bien son fils, tout simplement, se braque contre moi, contre sa maman. Bref, c'est comme ça. Et en fait, à la base, on se retrouve pour une petite ouverture de courrier qui me vient d'Alsace, de Gaël, de la chaîne Pilou Piou, Piou 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 Piou, du petit Piou Piou de l'Alsace, exactement de Colmar. Parce qu'à chaque fois, je dis Strasbourg, à chaque fois, je dis Naaaaaaah. Serait-il chauvin entre eux, les Alsaciens? Non, je vous taquine. Je vous taquine. Bref, donc, du coup, ouais. En fait, alors, parce que hier, l'histoire, enfin, je vais quand même finir mon truc, parce que voilà, je mettrai pipi, retour de courrier. Donc, j'en ai mangé. Kiki, il était mais cané. En gros, il s'est endormi direct après manger. Je pense qu'il voulait discuter de ce que les assistantes sociales nous ont dit à l'un et à l'autre. Et oui, le truc, c'est que lui, au bout d'un moment, en fait, il s'emporte. Il monte le ton. Enfin, c'est pas qu'il s'emporte, attention. Il monte le ton et puis il change complètement sa façon de parler. Et il me parle comme si réellement j'étais une trisomique, quoi. Et en montant le ton, vous voyez. Donc, moi, je me suis pas du tout énervée. J'ai pris mes affaires et je lui ai dit bah, merci beaucoup et bonne nuit et à bientôt. Et bon, bah voilà pourquoi il était énervé ce matin. Parce que je veux pas, je veux bien entendre ce qu'il a à me dire, ce qui est normal, je trouve ça important. Par contre, bah, je suis pas une tréso, je suis pas une gogole. Parce qu'il parle vraiment, genre, tu vois, hein? Enfin, je sais pas comment vous voyez cette façon. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup retenue, hein, parce que voilà. Mais mon fils, depuis que je le vois, je le prends pas moi ma semaine, depuis juin, depuis exactement le 21 juin, mon fils parle très mal. Et d'ailleurs, il prend ce ton avec nous. Et quand on est justement les très peu de temps là qu'on a passé à trois. Comment il lui parle. Mais moi, il m'a mis des fois les boules, Charlie, à comment il fait, machin. Mais quand même, là, c'est très, très amplifié depuis qu'il ne vient plus ici. Il a un ton, oui, il nous prend pour des gogoles, clairement, lui aussi. Quand il nous parle, même à son papa, hein, il parle très mal à son papa. Donc, moi, quand même, il y a un moment donné, hier, une ou deux fois, je suis intervenue. Parce qu'en fait, son père, est-ce que ça? Puis c'est juste dire, t'as de la chance, toi, je suis pas énervée, hein. T'as de la chance. Non, mais attends, arrête, tiens, à un moment donné, là, c'est bon. Oh, t'as vu ce qu'il dit, là? Enfin, je sais pas, quoi. Réagis un peu, hein. Oui, il va nous foutre sur la gueule quand il aura 15 ans ou quoi, là. Bref. Donc, genre, il dit, on va refaire un. Ben là, faut remettre à zéro les compteurs là. Bah, à zéro les compteurs, t'attends quoi en fait? C'est comme là, monsieur. Donc, je sais plus c'était quand. Oui, il a voulu, Titi m'a appelé pour qu'il en fait savoir si je travaillais, si je travaillais pas, si je pouvais descendre, passer un moment à la rivière avec eux, machin. Puis du coup, ils m'ont gardé à manger. Bref. Et là, c'est pareil. Donc en fait, déjà, le temps qui. On est allé à la rivière, on est remonté, c'était presque 8h30, un truc comme ça. Donc, le temps qu'il fasse son feu pour un barbecue, machin, nanana. Donc, en gros, on a fini de bouffer, c'était déjà 11h moins 20 le soir, quoi. Et donc, il lui fait se laver les dents, machin. Et il me dit, bah non, mais maintenant tu dis bonne nuit à maman. Hein. Et là, en fait, commence à chouiner Monsieur Charlie Kiki. Donc, ça, c'était, je crois, la semaine dernière, ou voilà. Bref, en fait, là, il reste plus qu'une semaine. On est le week-end, il reste une semaine de vacances et il retourne à l'école. Bonjour les dodos. Bonjour les dodos, quoi. Là, je. Ouais, c'est.
Ah ouais. Je sais pas comment ça va faire, hein. Mais s'il croit que ça va passer là, s'il le couche tard ou qu'il attend bien gentiment qu'il s'endorme sur le canapé puis que c'est plus de 10 heures, forcément au bout d'une semaine de reprise, à mon avis, le gamin il va être marqué à la gueule, il va être fatigué, il va être ronchon, il va commencer à faire comme il fait d'habitude et on va avoir plein d'emmerdes. Que dire? Que dire? Bref. Donc je suis rentrée tard. En fait, si vous voulez, je suis rentrée tard, mais je suis allée à ma boîte aux lettres parce que j'avais fait faire des photos à Photobox et j'avais eu le mail en fait que j'allais les recevoir. Et en fait, au final, j'étais pas là quand le facteur est passé. Quand je suis entre ce que je reviens de faire et puis que je reparte voir Charlie, j'ai complètement zappé ma boîte aux lettres. Donc voilà. Donc hier soir, tard ou tôt, bref, quand je suis rentrée, j'allais à ma boîte aux lettres. Et en fait, il y avait mes photos Photobox, donc j'étais contente. Oh. Et il y avait donc le fameux courrier d'hier. En fait, j'avais qu'une envie, c'était de l'ouvrir. Mais quand j'ai juste entrouvert l'enveloppe, j'ai fait oh non, ça craint pour la YouTube compagnie et tout. Puis même, il faut que j'ouvre. Voilà. Donc, j'ai refermé. Et puis, voilà, j'ai attendu bien gentiment. Puis en fait, là, je me suis réveillée une fois à 9h. Je me suis dit ah, oh, putain, t'es crevée, vas-y, t'es couchée. En fait, j'avoue, je me suis couchée, c'était 5h15 du mat. Donc, à 9h, forcément, c'était dur. Vu qu'en plus, hier, je me suis levée en tête. Enfin, bref, ouais, c'était dur ce matin. Du coup, je me dis, ah, pour une fois, je peux aller retourner me coucher. Putain, quand même, enfin, je sais pas. J'ai pas justement Charlie. Enfin, il y a un moment donné où il faut que je pense à moi, quoi. Parce que là, je fais un peu comme si. Qu'est-ce que c'est cette merde? J'y vois plus. Bref. Je fais encore comme si. Comme si. En fait, comme si j'ai des impératifs d'enfant alors que l'enfant n'est pas là. Enfin, ouais, je me mets des coups de pression, je sais même pas pourquoi. Donc, je me dis, c'est pas très. Voilà, quoi. C'est pas. Cool quoi. Donc bref. Donc du coup dans sa petite enveloppe, donc c'était une enveloppe format comme ça là. Donc, tac. Format comme ça. Même il y a un petit wesh là et puis il y en avait aussi un petit derrière qui est comme ça. Voilà. Donc dedans il y a, elle fait des boîtes, voilà, c'est des, vous voyez c'est ça. Faut que je me trouve des alphabets où les lettres elles sont un peu comme elle a fait là, vous voyez que la première année de famille. Parce que ça, je sais plus faire et je trouve que pour me servir ma plume en verre, il faut, c'est ça qu'il faut que je fasse des lignes de, comme ça, comme quand on est gamin avec ma plume en verre et nanana. Donc, putain, ça fait chier, je suis obligée de machiner ça là. Alors, trop bien son petit sentiment. Donc voilà. Et en fait, c'est écrit scrapeuse, papoteuse et fière de l'être. C'est super joli avec les, moi, les trucs 3D comme ça, là. Vous voyez, ça fait 3D, là. Moi, je kiffe. Hein. Franchement, il n'y a pas à chier. Je trouve ça super génial, quoi. Je prends déjà la petite carte, comme ça je peux voir ce que je peux vous montrer ou pas. Une petite enveloppe nickel chrome, mais je pense qu'elle a le truc pour les faire parce que les découpes et tout là,
c'est nickel, hein. Uniquement le présent et le... Je kiffe. Ah, mais c'est trop bien foutu. J'adore. Alors, attends. Tac. Donc, c'est comme ça. Hop. Et on va aller. Hop, on ouvre. Hop. Pardon. Et hop, ça fait un peu. Petite maison dans la prairie. Hop, je vais lire. Ah, vous avez rien vu. C'est trop bien fait. Oui, mais c'est pas grave, franchement, les retards. Moi, je vous ai dit, hein, je mets une date, c'est plus pour moi. Et vous voyez, mec, une date. Wally Walou, quoi. Hein? Je cache un peu ce qu'il y avait écrit. Regardez ça, avec ses petites découpes. J'aime bien la fin, elle me dit garde le cap et scrap. C'est sympa. Bah, merci beaucoup en fait, Gaëlle. Et toi, tu dis je me rattraperai parce que voilà, je sais pas quoi. Mais en fait, moi, juste déjà la carte. Et en plus, je crois que c'est toi un peu comme moi qui fais pas trop les cartes. Nanana, il me semble. Si mes souvenirs sont buenos. Alors attends, mais j'ai pas. Bon, ok. Elle se prend un petit jeu. Non, putain, moi je plane à 15 000. Je comprends plus rien. Comme d'habitude. Mais c'était dans quoi ça? Bon, ok. Donc, j'ai un message dans l'envoi de la part de sa fille. Donc, il faut que je le trouve. D'accord. Oui, je répondrai bien volontiers à tes petites. Donc elle a joué le jeu. En fait, c'est elle qui m'avait donné l'idée dans le tout premier échange qu'on a fait ensemble. Où derrière les CBA, les mémos, tout ça, elle m'avait mis des petites questions pour que j'y réponde. Je n'y ai pas répondu d'ailleurs. Mais ça se peut que je t'ai pas répondu en fait. Puis je t'ai rebalancé des questions. Ah mais ben oui, non mais quand vous êtes. Vous y êtes quoi. Hein? Donc je vais ouvrir le reste avec vous. Et en plus, ça va être une vidéo longue puisque j'ai tchatché, donc je vais être obligée de couper et de relancer. Ouh, ouh, ouh. Boubou. Et ensuite, dans l'enveloppe, il y avait ça. Donc, dessus, il y aura l'échange. Il y a des indices à trouver. Enfin, il y a un message à trouver caché. J'ai un indice. Oh putain, c'est trop beau. Je me rattraperai, mais rattraper quoi en fait? Oh la vache. Oh putain. Pardon, patate, purée, de tralali lalou. Bon, en plus, moi, j'ai rien compris. Je crois que t'avais qu'un fils, quoi. Non, moi, je plane à 15 000. Et d'ailleurs, as-tu reçu mon envoi? Où j'avais glissé un truc pour ton fils dedans. Oh putain, mais c'est trop. Oh là là, oh là 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 là
Après, elle te dit, je me rattraperai, mais enfin, non, mais 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 non. Vous allez voir, c'est magnifique. Pas d'autres, j'ai pas d'autres mots, pas d'autres termes. C'est juste vraiment super magnifique. Il faut que je cherche les messages. Donc, on a lu le petit message peut-être. Alors, voici un très très joli. Ben, moi j'appelle ça le Happy Mail. Hein. Je crois que c'est celui-là. C'est super. Franchement, il y a de. Donc, il y a la fleur là qu'elle a fait, elle, je pense. Du ruban fleur. Elle a mis une petite accroche là. En fait, c'est un bracelet. Je sais pas si on l'a fait ensemble, celui-là, je me rappelle pas. Faut absolument que je lui file des fils. Elle va être refaite. Faut absolument que je mette ça dans son envoi là. Que je m'en occupe. On a un petit tag là, là aussi, avec une petite recette. Donc, j'ouvre. Petit... Est-ce qu'il y a un petit tien? Ok, non. Donc, hop. Ah, même, vous voyez, elle a mis deux rubans pour le fermer. Et je pense que je vais venir les cramouiller un petit coup, vous voyez. Parce qu'il y a un tac, tac, tac. Je pense qu'il s'abîme, quoi. Hop. Donc, on ouvre. Elle a un travail de malade. Donc, on est comme ça. Et on ouvre comme ça. Il y a un travail de malade. Hein. Alors, dans la première partie, là, on a petit tag. Donc, comme ça. Enfin, c'est une petite pochette. Qu'elle a ancré en rouge sur la première partie et le petit tag et la petite. Et la petite recette. Le pink fizzy. C'est pour que je la teste pour de vrai. Ah! Ok. Super joli. Donc, il y a un petit truc écrit. Je ne sais pas si c'est bien ça. Mais ça, je vais tout regarder comme il faut avant de me dire que c'était ça. Son petit message de sa fille. Là, regardez. Donc, un petit. Pour moi, c'est un marque-page. Marque-page avec oui. Mon prénom, c'est super joli, c'est super super gentil. J'adore. Vous voyez, en tout cas, en attendant, ça fait plusieurs fois que j'en reçois là des petits marque-pages comme ça. Franchement, vous voyez, à chaque fois ils sont différents, ils sont là elle a fait du collage comme l'arcollage en fait sur son tag. Elle l'a ancré, elle a arrondi ses, elle a arrondi que, regardez, c'est marrant que de là, là, elle n'a pas arrondi. Et en fait, du coup, je me dis, ça fait pas si mal. Moi qui n'aime pas laisser, mais en fait, je suis en train de me rendre compte que c'est, ouais, franchement pas si mal. Il y a des petits stickers, du... Ah, j'adore, moi, les trucs comme ça, c'est simple, c'est efficace, ça marche. Et avec le petit prénom là, franchement, c'est super gentil, merci beaucoup. Tac tac tac. C'est bon, je vais être obligée de relire sa carte à tous les coups, je me connais par cœur. C'est ça. Ensuite, quand on ouvrait, donc on a là la pochette
Mais du coup, je pense que ça, c'est des ATC, là. C'était sûr. Ah putain, ce truc de dingue. Donc, c'est une série de 4. Putain, j'en ai pas gardé une pour toi. Tu ne collectionnes pas les ATC. Piu piu. Gaël. Donc, une série de 4 qui s'appelle Le temps en fraction. C'est super joli. Donc, une sur. Voilà. Moment précieux. Alors, attends, le thème c'est le temps en fraction et après elle appelle, elle intitule chaque carte précisément. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. C'est cool. Donc en fait là le thème ça va être le temps en fraction. Le nom de celle-ci c'est moment précieux. Ensuite on a là celle-ci qui est la 3. Mais attendez, je fais pas dans le bon sens. La 2 sur 4 c'est celle-ci. Très joli aussi. Là, c'est le moment présent. Et c'est toujours le temps en fraction. Hein. Ils sont super chouettes. Celle-ci, moment pour soi. Et là, 4 sur 4. Moment intense. Et c'est un truc de dingue parce qu'elle les a fait le 5 août, en fait, le jour de l'anniversaire de mon Kiki. C'est un truc de merde. Ah non, c'est bon, je sais c'était barré. C'est tout bon. Je sais pas. Dans quoi vous les rangez, vous, les ATC? Enfin, est-ce que vous avez un truc spécial que vous avez payé cher là pour les ranger? Exprès pour. C'est trop chouette quoi. Donc après, vous savez, on a qu'on en fasse des fer qu'on essaye d'en faire des fermetures comme ça là. Ouais, c'est quand même assez simple au final. Hein. Avec un petit bijou au bout là. Petit bijou, petite étoile, voyez. Et là, elle a mis quoi alors? Oh là là, c'est trop gentil, mais là je vais. Elle a mis plein de petites découpes comme ça. Il est trop beau le vélo devant. Trop beau. Je commence à en avoir plusieurs, des petits vélos comme ça, là, en découpe. Ça me donne bien envie. Ah, il y a une grosse. Ouais, j'ai des idées en fait. J'ai envie de. Ça y est, c'est parti. En fait, après l'ouverture de courrier, ce qui serait cool, c'est que. Je disais quoi? Faudrait que je fasse des courses. Hein, faut que. Voilà, il y a une petite. Je sais pas, une carte, un tag, je sais pas trop. C'est écrit 724 numéro 1. Donc ça a été fait en juillet 2024 et je pense que c'est la 1. Je sais pas, c'est des tags, c'est des cartes. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est. Je vais pas vous mentir. Ah. Putain, mais c'est super gentil. Donc ça, c'est une carte pour l'anniversaire de mon. Elle est super belle. Une petite carte d'anniversaire pour ton Kiki. Gros bisous. Gaëlle m'oublie. Le 5 août 2024. Ça me touche beaucoup. Merci à Gaëlle. Sincèrement, c'est très 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 gentil de ta part. Elle est très jolie.
joli ça. Magnifico. Elle m'a fait des petits tags comme ça. C'est super beau. Moi, je les adore ceux-là. Je crois que celui-là, il faisait peut-être bien partie d'un truc qu'elle a mis en short. Je sais pas. Ou en tout cas, c'est pas ceux-là, c'est dans le même. Je dirais dans le même esprit noir, un peu violet. Moi, je les adore. Ça, ce qu'elle fait là, ça. Je trouve ça, j'adore en fait, j'adore, je pense, elle m'en a déjà envoyé. C'est franchement pour moi, c'est un vrai plaisir de recevoir ces tags comme ça, ces gros, larges. J'adore l'idée, ça, c'est des bons. Donc vous voyez, ils ne sont pas de la même taille, mais je trouve que c'est top en fait, j'adore. Vraiment. En plus, ça, dans un junk, après, vous pouvez venir écrire derrière parce qu'elle les laisse bien vidasses, vous voyez. Vidasses. Et il y a celui-là, il est magnifique aussi, j'adore. Et à chaque fois, elle met à son petit trou, là, elle met des petits rubans comme ça. Et vous voyez, c'est ce que... Il n'y a que le noir, et encore, non? Voilà, il n'y a que celui-là qui me semble qu'il n'est pas ancré, mais... À chaque fois, sinon elle ancre. Elle ancre quasiment tout ce qu'elle fait. Et vous voyez, c'est ce que je vous dis, ça fait toute la différence quand même. Mais c'est super génial. Donc, oui, je pense du coup avoir trouvé. Je pense avoir trouvé le petit indice. Le petit message. Je pense. Ben, on va tout regarder en fait. Je crois. Ensuite, qu'est-ce que ça, c'est trop bien. Non mais ça je pourrais passer des heures. Alors ensuite dans l'enveloppe, dans le paquet rouge, il y avait ceci. C'est top. Putain j'adore. Donc c'est comme ça dedans. Et la couverture là. Putain c'est trop bien. Franchement j'adore. La couverture là, c'est un checker. Et c'est, il est vraiment, il est trop bien fait quoi. J'adore, j'adore. Donc on ouvre, on est comme ça. Je regarde tout avant de vous montrer, c'est comme il y a le fameux petit message et que je suis pas. Je vais être sûre d'avoir le bon avant de dire le tout de ma connerie là. Attends. Je regarde tout bien. Oh putain. Oh purée. Ok, ok, ok. Mais oui. Oui, oui, Gaëlle, ok. Ok, 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 ok. Je ne sais pas, je ne sais plus. Putain, ok. En fait, il y a mon cerveau qui se met clairement en route. Mais oui. Oui, il se met en route. Mais voilà. Il se met en route, quoi. Ah, ok. Non, mais c'est un truc de dingue. Donc, en fait, alors, bon, avant de vous dire ce qu'il y a, de vous montrer comment dedans. Regarde, parce que moi, le temps que ça monte à mon cerveau. Donc, tac, le truc, il est comme ça. En fait, regardez. Tac. C'est un truc de dingue. Merde, je peux rien. C'est trop bien fait, quoi.
Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je ne sais plus. Je n'arrive pas à y remettre. Ça va pas jusqu'au fond. Bref, si. Donc en fait, là-dedans, contient plein de petits formats que je ne connaissais pas pour les échanges. Le truc, c'est que tu m'en donnes pas assez d'explications. Enfin, tu m'en donnes pas assez. Tu m'en donnes, hein, c'est pas ça le truc. C'est que il va falloir qu'on s'appelle. Parce que je ne veux pas spolier ce que toi tu as envie de faire sur ta chaîne. Et nanani, nanana. Après, voilà. Alors, attendez, on recommence. Donc là, je vais. Donc je vais ouvrir là comme ça. Et là, je vais avoir un petit tag comme ça. Oh putain, puis en plus, je suis désolée, Gaëlle. C'était son anniversaire le 24 juillet. Non, mais. Je n'en écris pas assez sur vous quand je reçois vos petits machins. Faut vraiment que je refasse un cahier comme il faut. Donc, je te fais toutes mes excuses, puisque je te souhaite quand même un bon anniversaire avec un mois de retard tout pile poil, quoi. Je suis une vraie nulose, donc je vous remonte quand même. Mais non, c'est pas ton anniversaire le 24 juillet. Non, il faut que je reprenne mes trucs. Excusez-moi, mais hein, franchement. Franchement, ça va bien se passer. Ici, il y a un autre petit tag. En mode recto verso, vous voyez. Tac. Tac. Anniversaire. C'est pas celle de ta mère. Pourtant, c'est elle qui a des coffrets. Donc ensuite, on tourne la petite page. Et on va avoir toute une autre petite série de petites cartes comme ça. Elle aime bien l'arcolage aussi, je crois, Gaëlle. Hein. S'amuse beaucoup avec ça. Moi aussi, j'aime beaucoup ça, en fait. Ça. C'est un format qu'on peut faire à l'échange. Je vais attendre de l'avoir, je pense, discuter avec elle pour pour discuter des trucs, quoi. Et vous avez aussi ces tout petits formats. Sont faits pour l'échange, c'est minutieux de ouf quoi. Ensuite, on a là comme ça. Je pense que là il y a quelque chose, oui, mais alors, je sais pas si je vais arriver. Alors en fait, vous voyez là derrière, il y a la pochette, donc c'est ça, c'est un tag. C'est pas un tag, c'est le c'est ce qui fait la couverture. Et là, il y a quelque chose en fait dans la petite pochette qu'elle est venue faire ici. Et je sais pas si je vais arriver à la sortir. Attendez, en plus, on va perdre. Donc voilà, j'ai réussi à y sortir sans tout esquinter. Petite étiquette comme ça. Comme ça. Et là, un petit tag comme ça. Je vais essayer de pas trop. Voilà. Ensuite, on a donc à côté, là, dans cette pochette-là, où nous avons une petite série. Petite série, une grosse série d'ATC sur nos amis les bestiaux. Nos amis les chats et les chiens. Donc, le thème c'est fidèles amis.
Et le titre de celle-ci, c'est Les coquins. Elles sont trop, trop, trop belles. Là, elle s'appelle celle-ci le voyageur qui est installé au resto. Non. Ah non, qui est avec sa valise, putain, qui est dans la valise. Oh, mais où es-tu, Audrey? Ensuite, nous avons le romantique. Trop sympa, j'adore. Ah, ça, j'adore avec les amis. En plus, franchement, ça rend super bien. Ensuite, nous avons les timides. Ensuite, nous avons le joueur. Et ensuite, nous avons le charmeur. Voilà. Elles sont super belles. Et voyez, ah non, si elle a ancré la maison jaune sur jaune, c'est chaud. Moi, j'avais essayé de faire ça. Elle ancre tout, il n'y a pas. Ça fait carrément plus fini. Regardez les ATC. Même là, rose sur rose, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais c'est ancré, quoi. Il n'y a pas à chier, c'est carrément plus joli. Et je pense qu'elle doit avoir. Ah, ou alors elle l'imprime peut-être. D'ailleurs, je sais plus, je crois que c'est Valérie qui m'a mis des trucs. Ou Valérie, ou une des deux Sylvie qui m'avait mis un truc pour justement mettre derrière les ATC. Il faudrait que j'y photocopie pour en avoir et je fasse pareil, ça fait quand même plus propre. Et selon le fond que vous prenez, bah, pour écrire, c'est carrément mieux, quoi. Je pense. Elle est trop bien, sa petite pochette, là, j'adore. C'est bien foutu, c'est super joli, j'adore. J'adore. Après, elle te dit, oui, je ferais mieux, mais je ferais mieux de quoi, en fait Si vous saviez déjà juste une carte des fois, ce que ça me fait plaisir en vrai. Donc quand là je reçois des trucs comme ça, puis qu'on me dit je ferai mieux la prochaine fois ou quoi, mais en fait mais c'est déjà énorme en fait pour moi. Enfin, c'est tellement super beau, c'est appliqué, c'est là. Un happy mail avec note. J'ai pas de nouvelles de la chouette en hiver, je ne sais pas. Je vais mettre un mail, mais je me dis que je sais pas si elle va répondre. Je sais pas, je sais pas. C'est. Oh, trop magnifique, mais je ne pourrais pas les accrocher. Je crois que je n'ai pas ce qu'il faut. C'est trop joli. Elle m'a mis des découpes comme ça avec déjà le. Mais je crois que j'ai pas ce qu'il faut pour les accrocher. Donc pour un échange, bah tiens, je verrai. Donc il y en a. Elles sont super jolies. C'est vrai que c'est super joli cette forme. C'est son recto verso. Même celle-ci, elle est belle. Il faut que je m'occupe de ça. Donc la pochette, elle est comme ça où elles étaient. Je vous montre. Non, pas. Je comprends pas. Et voilà. Je vous jure, des fois, je me fais halluciner. Bref. Donc ça, alors attendez, parce que ça s'ouvre ou pas? Non. Si ça se. Ah si, putain. Pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends. Non, franchement, je comprends pas. Parce qu'il y a plusieurs chiffres. Enfin, il y a 15 000 chiffres.
Genre, le nanana, 3 tuk-tuk fois 3 tuk-tuk, et en dessous, entre parenthèses, ouais, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas les mesures en fait. Il y a trop de chiffres, trop de chiffres. Donc je ne sais pas s'il y en a une pas. Certains c'est les inches. Ou si en fait. Je sais pas. C'est le nombre d'heures dans une série qu'on doit faire. Je sais pas. Je ne sais pas. Donc après vous ouvrez, c'est comme ça. Hop, hop, tac. Donc l'Arial, donc hop, on est comme ça, là on a la papage, je pense qu'il a mis ouais, quelque chose là-dedans. Ah c'est super beau, putain. C'est super. Donc ça c'est la CBA. Donc papillon violet. Elle est super belle. La kiffe. Ah putain, Lévi, c'est un cœur là. C'est super joli. Et voyez, tout est ancré. Tout est ancré. Toutes ces petites découpes là. Tac, tac, tout ça, c'est tout ancré. C'est super beau. Merci beaucoup, Gaëlle. Elle est super belle, je la kiffe. Ouais. Hop, si, elle m'a mis le petit trou là. Ok. Elle m'explique pas ce que c'est. Je sais pas. Hop. Donc ensuite, on va venir tourner la page comme ça. Tac. On va se retrouver avec ça. On va regarder ça. Donc ça doit être la mémo. Voilà. Ah. Ça, c'est une... c'est une Memory Dex bonus. Ça donne des idées pour le printemps, ça. Pour le printemps, n'importe quoi. Pour l'automne. Elle est super belle, j'adore. Je kiffe, de toute façon, tout ce qui est petit lutin et tout. Bon, moi, je peux pas. Je crois que je peux pas accrocher avec ça. Je sais pas. Ouais. Ça qui est dommage. Parce que du coup, je peux pas les ranger avec les autres, les siennes. Ensuite, à côté, dans la pochette d'à côté. En fait, le voilà, j'ai un petit message. Donc, de sa fille. C'est très gentil, Minette. Je sais pas quel âge t'as. Je vais te répondre, bien sûr. T'as bien raison, ma petite choupette. Tu as raison, mais c'est pas. C'est plus facile à dire qu'à faire, très sincèrement. Moi j'adore. Oh, c'est trop joli. Alors, attendez. Putain, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué, hein, des fois la vie. La, 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 la. Alors, ça, c'est magnifique. C'est... J'aurais jamais l'idée de toute façon. Non, mais des fois, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je ne sais pas. Bref, donc là, on a un petit tag. Alors, regardez ce truc de dingue. Elle a vraiment fait le petit tag, quoi. C'est un vrai sachet de thé, quoi. Enfin, un vrai info, mais voilà. C'est super bien foutu. Donc, il y a un petit mot. Ok, mais tu me mets pas, tu ne me mets pas les dimensions sur le petit tag. On fait les dimensions qu'on veut donc, je sais pas.
En tout cas, j'adore. C'est ça, j'adore. Je pense que je suis sûre. Nathalie, Isabelle, je suis sûre qu'elle kifferait ce genre de psy machin là. Je pense. À moins que je plane vraiment et que je ne sais plus où j'en suis. Que j'aurais très, 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 très mal cerné ces petites dames, mais je pense pas. Je sais pas en fait. J'en sais. Putain, alors là, par contre, pour y sortir, c'est pareil. Donc là, en fait, il y a une pochette. Est-ce que je vais arriver à y sortir? C'est rien. Et Gaëlle, est-ce que tu peux me dire, mais avec quoi j'accroche ces trucs, puisque là on peut y enlever en fait. Ça c'est normalement le truc pour mettre le... C'est... comment dire? C'est le truc... Comment? Là on est obligé d'avoir l'appareil exprès qui coûte une blinde quoi. Non? C'est pour ça que moi je m'étais qu'un trou pour qu'on mette à l'anneau. Ah mais tu me l'as fait aussi. Putain ce truc de dingue. Ah oui j'avais pas vu. Putain pardon. Mais du coup... Enfin ouais la fermeture pour ça. C'est obligé d'avoir... l'action et voilà. Est-ce que c'est obligé pour faire une fermeture... Pour faire les trous comme ça là. Est-ce que c'est derrière obligé d'avoir le vrai truc où on met les memory decks. Ou y a-t-il une solution pour pouvoir se servir malgré tout de ce système. Je ne sais pas si j'étais claire, mais voilà, si jamais quelqu'un passe par là et a ses réponses, pas forcément obligé que ça soit Gaëlle, la chienne Pilou-Pilou, mais en tout cas, si quelqu'un pourrait éclairer l'esprit à ce sujet, ça serait sympatoche. Mais en tout cas, écoute... Gaëlle, je te remercie beaucoup. Je vais bien sûr répondre à ta petite Inette. Je vais. Bah normalement, je pense. Le petit couple d'Alsace ont reçu leur colis. Il me semble que j'avais envoyé en même temps. Tu as dû recevoir toi aussi ton truc. Je pense que là, tout le monde a dû recevoir ce que j'ai déjà envoyé pour les échanges. Le colis d'Hélène et Thibault. Ton échange à toi, yeah. Je pense que voilà. Donc là, je vais maintenant œuvrer à monter mes lots parce que demain, on est le 25 et il y a le tirage au sort des gagnants du jeu des citations. Et puis, donc il faut que j'y monte, il faut que je... Voilà. En tout cas, oui Gaëlle, enfin mille merci. J'ai plein d'interrogations sur ton envoi, sur certaines petites choses aussi. Donc je vais faire un mail, je sais pas si on s'appelle, je sais pas. En plus là, fin, je voulais au début faire un peu de la vidéo dehors avec vous aujourd'hui, mais vu le vent qu'on a déjà des créations, c'est mort parce que tout va s'envoler, ça va m'énerver, je me connais, je fais pas, je m'amuse pas à faire des trucs qui m'énervent. Hein. J'ai envie de faire des trucs qui me font du bien à la tête. Après là je suis en train de me dire putain mais il est déjà 4 heures j'ai rien foutu ouais, mais en fait je me suis levée il y a 4 heures donc forcément voilà il fait super chaud ouais, mais il y a un vent de malade j'étais obligée de caler mes fenêtres mes portes tout ça moi voilà pour pas que ça et ça a pas marché là-bas voyez là la porte de la véranda pff. Voilà faut que je la cale mieux que ça voilà et ben écoutez j'ai envie de vous dire non, je vais déjà remercier encore Gaëlle et sa petite. Bah ouais, non, mais je. Enfin, moi, quand tu me dis dans ta petite lettre, je ferai mieux, mais en fait, comment faire mieux? Moi, je suis pas sûre. Je pense pas que là, les envois que je vous ai faits pour cet échange vaillent. Ça ne vaut pas, même, c'est certain. C'est même pas, je pense, et je suis certaine à 100% que moi, ce que je vous ai envoyé. Ça vaut pas ce que vous m'avez envoyé, c'est clair et net. Donc, je pense qu'il va falloir que je revoie ma façon de. Comment dire? D'œuvrer
pour déjà ne pas être en retard, déjà que vous ayez des trucs finis, aboutis, que ça soit pour les vidéos pareil, comme là les dernières vidéos, je vous mets pas la fin, parce que ce soit disons de la déco, machin, je sais pas. Est-ce que ça, parce que ça fait, c'est déjà des vidéos longues en fait, hein. Donc est-ce que je continue comme ça et puis je fais les shorts quand j'ai fini vraiment, que c'est vraiment abouti, je sais pas. On va être là une semaine, on est à la rentrée. Il y a un moment donné, il va falloir que je prenne des décisions pour la chaîne, que je cogite beaucoup là-dessus. Après, j'ose pas vraiment pour l'instant vous faire une vidéo. C'est la rentrée, il va se passer ça, ça, ça. Parce que, en fait, je ne sais pas. Et parce que beaucoup de mes décisions sont prises par rapport à Kiki. Donc, voilà quoi. Sinon, voilà. J'ai envie de dire, donc, cette fois-ci, vraiment, passez un bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, profitez d'eux. Profitez d'eux à fond. Ne vous oubliez pas. C'est important, pour pouvoir profiter des autres, on profite aussi de soi. Et puis, surtout, surtout, ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao!